Bonjour, je me nomme Dina Bellaroche et je suis une bénévole avec BFO. J'aimerais vous pouvoir partager mon histoire d'amour et d'espérance face au décès de ma petite sœur Tracy il y a 20 ans. Il me semble que même si c'est 20 ans, c'est comme hier et les gens qui regardent cette histoire, souvent on se dit les gens qui sont endeuillés, c'est comme c'est hier. Alors, l'histoire de Tracy, ma petite sœur, elle avait 29 ans quand elle est décédée et moi, j'avais 31. C'est le cancer qui l'a volée de nous. Une jeune maman, elle et moi, nous étions meilleures amies depuis notre enfance. Et c'est clair, hein? Quand un membre de votre famille, spécialement les frères et les sœurs, quand ils sont morts, c'est comme une partie de moi est décédée avec elle. Mais l'histoire que j'aimerais vraiment vous partager, c'est la capacité, la détermination, la volonté de notre famille de continuer une relation avec ma sœur Tracy. Suite à son décès, nous commencions à être bénévoles avec la Société du cancer, avec le Relais pour la vie. Et je peux vous dire, pendant 9 ans, nous avons soulevé plus que 75 000 $ pour essayer de contribuer à la recherche du cancer. Mais après un moment, là, c'était difficile de se retrouver dans l'expérience où nous voulions honorer Tracy, mais aussi essayer de prévenir le cancer. Et après 9 ans, nous avons tourné notre attention au Nicaragua, où nous commencions à bâtir des écoles dans son honneur. Et je peux vous dire, dans les moments où nous étions avec les enfants, la communauté au Nicaragua, à travers une charité qui s'appelle Schoolbox, c'était des moments incroyables de pouvoir honorer Tracy et voir l'expression des jeunes enfants, des enfants qu'elle aurait aimé aider et appuyer, avoir de l'espérance, de pouvoir être éduqué et donner l'opportunité aux communautés de pouvoir avoir leurs enfants éduqués. Et comme une personne endeuillée, je peux vous dire qu'il y a eu une transformation. La douleur et la peine que nous ressentons comme famille s'est transformée en espoir. Et peut-être c'est un message clé pour les endeuillés qui regardent aujourd'hui, de pouvoir comprendre que les moments profonds d'isolement et de peine et de douleur, suite à travailler sur notre deuil, on peut le transformer. Et c'est là où le BFO, où la belle communauté de BFO peut nous aider. Moi, comme bénévole, je me suis faite former comme animatrice. Et c'est un des moments plus précieux pour moi dans mon cheminement, dans mon deuil. Pourquoi? Parce que j'ai appris beaucoup de choses. Tu sais, comme une animatrice avec BFO, moi, mon objectif, c'est accompagner les gens dans leur deuil afin qu'ils puissent se sentir vus et compris. Et comme une personne endeuillée, je continue d'être endeuillée. La douleur que j'ai ressentie il y a 20 ans, je la porte encore de ce jour, mais je la porte différemment. Comme animatrice avec BFO, je peux vous dire que quand j'accompagne les gens, ça me remplit tellement de joie parce que je me vois dans eux et j'espère qu'eux se reconnaissent dans moi. Et puisque comme famille, nous avons eu la capacité, le courage, l'empathie, d'aider les autres, ça donne, je pense, un petit morceau d'espoir aux gens qui sont dans le plein de leur deuil. Alors, pour moi, une différence marquante, c'est d'être accompagné avec des gens comme moi qui sont éduqués et qui ont l'intérêt d'aider les autres et les accompagner dans leur cheminement à travers leur deuil. Alors, si vous voulez, il y a plusieurs opportunités
de se retrouver dans le BFO à travers leurs services. Comme bénévole avec BFO, j'appuie les gens pendant le premier mardi de chaque mois. Nous avons une session où les endeuillés peuvent se joindre à nous. Et comme animatrice, il me fait tellement plaisir de pouvoir accueillir les gens et les accompagner dans leur deuil. Alors, je vous invite de prendre votre courage, d'aller visiter le site web BFO pour en savoir plus. Et j'espère vous voir un de ces jours pour vous accueillir et vous accompagner. Merci d'avoir entendu mon histoire.